Apocalypse chapitre 18. Gloire à Dieu. Revelation chapter 18. Tu aimes Jésus aussi, hein? Amen. Gloire à Dieu. C'est bien. Apocalypse 18, nous lirons à partir du verset 1er. Donc hier, on a parlé de... From the first verse. So yesterday we spoke about... De Babylone. We spoke about Babylon. Le royaume de Babylone. The kingdom of Babylon. On a vu que la première fois dans les Écritures où Dieu a parlé d'un royaume... And we saw that through the scripture for the first time that God spoke about a kingdom. Il s'agit de Babylone. It was about Babylon. Et la deuxième fois, il s'agit toujours de Babylone. The second time, le royaume de ce monde. Always Babylon, the kingdom of this world. Et la troisième fois, c'était, bien sûr, le royaume de Dieu. And the third time it was the kingdom of God. Pourquoi? Why? Parce que Satan Because était là-haut. Was there. Il a vu comment le royaume des cieux fonctionne. He was there up and he saw how the kingdom of heaven was functioning. Et quand Dieu a créé l'homme, and when God created man, il voulait que son royaume soit, n'est-ce pas, établi sur terre. He wanted his kingdom to be established on earth. C'est pour ça qu'il a demandé à Adam de dominer, de diriger, de régner sur la création. He been asked Adam to dominate and to overrule over creation. Mais on ne parlait pas encore véritablement du royaume. At that time we were not truly speaking about the kingdom. Et quand Satan réussit à faire tomber l'homme dans le péché, and when Satan managed to make man fall in sin, il lui a proposé la gestion du royaume de ce monde autrement. He asked him to manage the kingdom of this earth in another way. C'est pour cela qu'il va établir Babylone. That is why he's going to establish Babylon. La confusion. Confusion. Oui, le monde est de plus en plus dans la confusion. Yes, the world is more and more confused. C'est pour cela qu'au sein de cette confusion, le Seigneur va choisir un peuple. Because that's why in this confusion, the Lord is going to choose a people. Les Hébreux, pour qu'au travers d'eux, les nations découvrent les caractéristiques du royaume de Dieu, du royaume céleste. The Hebrew people and through them, and the people are going to discover the characteristics of the kingdom of heaven. Il leur a dit, si vous obéissez à ma parole, vous serez des rois et des prêtres pour and moi. And say, if you obey to my word, I make you a priest and king of this world. Au départ, Dieu ne voulait pas que la royauté soit, n'est-ce pas, exercée seulement par une tribu, notamment celle de Juda. Il voulait qu'elle soit, n'est-ce pas, gérée par les 12 tribus, que les 12 tribus soient composées des prêtres et des rois. In the beginning, God wanted all the 12 tribes to be composed of king and priest. Et on a vu que Babylone est vraiment un royaume qui est, n'est-ce pas, c'est un mélange de plusieurs choses, de plusieurs réalités, de plusieurs entités. And now we realize that Babylon is a mixture of different and a plurality of divinities. On parle du lion. We're talking about lion. On parle du léopard. We're talking about leopard. On parle de l'ours. We're talking about bear. Et on parle d'un quatrième animal que Daniel n'a pas pu identifier. And we're also talking about the fourth animal that was not being identified. Il dit simplement qu'il était extraordinaire. It was extraordinary animal. On sait tous qu'il s'agit de Rome. And probably it's about Rome. Et dans Apocalypse 13, In Revelation 13, Jean parle de ce même royaume. John is talking about of the same Babylon. Kingdom, Babylon. Et il voit les quatre animaux qui s'associent pour donner naissance à un gouvernement mondial. And there you can see the same fourth animal coming together to give birth to the world government. Et il dit que la terre entière suivait la bête. Then he's asking the whole wide world to follow the beast. La terre entière était séduite par la bête. And the worldwide world was seduced by the beast. C'est encore le cas, bien évidemment. It is right now the same situation. Et le Seigneur a donné aux nations un temps. Then the God gave a time to all nations. Durant lequel elles s'auto-dirigent, elles s'auto-gèrent, elles pensent diriger les choses correctement. Et c'est comme si Dieu n'intervient pas, mais en fait, il aura, comme vous le savez, donné un temps. And during that time, it's like all the nations are ruling themselves. C'est ce que les Écritures appellent les temps de nations. That's what the scripture call the time of nations.
Et le mot temps ici fait allusion à une mesure. And the word time here is talking about a measure. Comme un sablier. A measure aussi. Like a sand that measure the time. Donc quand la coupe va, n'est-ce pas, être remplie et le Seigneur va intervenir. Then when the sand will come down to the buckle and then it will fill up, then that's where the Lord is going to intervene. Donc de la chute de l'homme, so from the fall of man, au rétablissement de toutes choses, au retour visible du marché, hein, ce temps-là, cet espace de temps est appelé le temps, n'est-ce pas, du règne du péché, du règne de la mort. So from the fall of man to the reestablishment or the coming back of our king, in between those two periods, that's what we call the time of revival. Et durant ce temps-là, justement, and throughout this period, cet espace de temps, throughout this period, pendant cet espace de temps, Dieu a pris un peuple, a choisi un peuple, donc l'Église. During that time, God has chosen His own people. That is the church. Au départ, c'était Israël. We not talk about Israel. Et aujourd'hui, c'est l'Église. At the beginning was Israel, but today is the church. Vous savez que le mot église veut dire simplement assemblée, appelée hors d'eux. And you know that un groupe de personnes appelées hors. The word church means assembly that are being called outside. Donc c'est des hommes et des femmes qui sont dans le monde, Babylone. It's about men and women who are living in Babylon. Mais qui ne fonctionnent pas comme Babylone. But who are not functioning as Babylon. Et à chaque fois qu'ils vont vouloir se conformer un peu à Babylone, le Seigneur va les sanctionner, les purifier, les mettre à part, les séparer, les reprendre. And anytime they want to behave like people in Babylon, the Lord will intervene and call them and separate them and put them aside. Et donc de la chute de l'homme, so from the fall of man, dans Genèse 3, from Genesis 3, au retour du Seigneur, to the coming back of the Lord, je me répète, ce temps-là, I'm telling you, between those two periods, est le temps du règne de Babylone. It is the time of the reign of Babylon. C'est le temps durant lequel Babylone va solliciter les cinq sens des hommes. It is throughout this period that Babylon will ask the five senses. Of human being. C'est ce que Satan a fait dans Genèse 3. And that's what Satan have done in Genesis 3. Il a utilisé, sachant que l'homme est faible, il a utilisé les cinq sens de l'homme. La vue. Knowing that man was weak, he used the five senses. La parole nous dit que Ève a vu. And the word says Eve saw. Elle a vu cet arbre-là. She saw the tree. Et qu'est-ce qui va se passer? Ève, avant de voir, Ève a d'abord entendu. But before seeing the tree, Eve, first donc of all, lui, heard. Le premier sens. That's the first sense. La foi vient de ce qu'on entend. And because the Bible says faith comes from donc, what we dans hear. Cette confusion de Babylone, so in this Babylon confusion, nous devons veiller à nos oreilles, veiller sur nos oreilles, veiller à ce que l'on entend. We have to be careful about what we hear. Aussi bien sur le plan doctrinal, as well as on the doctrinal level, que sur le plan critique, outrage concernant les frères et sœurs. As in the level of criticism concerning brethren. Parce que beaucoup perdent du temps à cause de ce qu'ils ont entendu. Because many are wasting the time according to what they beaucoup heard. Ont perdu du temps parce qu'ils ont entendu des choses. Beaucoup perdent du temps parce qu'ils entendent des choses. Many are wasting the time because they are hearing things. Et Satan connaît notre faiblesse. And Satan knows our weaknesses. Pour vivre la foi, il faut veiller sur ses sens, sur ses oreilles. To live in a true faith, you have to be careful with. Parce que les oreilles sont comme les portes du cœur. Because your ears are like the door of your heart. Satan, s'il veut planter une semence en nous, il passe par ce biais-là. And when Satan wants to bring any kind of confusion, he go through this. Dans Genèse 15. In Genesis 15. Dieu a parlé à Abraham. God spoke to Abraham. Abraham a dit à Dieu, je m'en vais, je vais mourir, et celui qui va hériter de moi, c'est Eliezer. And Abraham said, I'm going to die, and the one who's going to be my inheritance will be Eliezer. Dieu lui dit non. And c'est celui qui sortira de tes entrailles. God said no, is the one who will come out of your womb. Et Abraham a eu confiance en Dieu. And Abraham had confidence in God. Nous parlons de Babylone. We are speaking about Babylon here. Nous allons parler de comment l'influence de Babylone sur nos sens. We are talking about the influence of Babylon over our senses. Parce qu'on parle de la confusion. Because we are speaking about confusion. Si on entend quelque chose de faux, on peut avoir de la confusion, on peut être confus. If we hear something, we can be in confusion. Et donc, dans Genèse 16, so in Genesis 16, Sarah va voir Abraham pour lui dire, prends ma servante et fais un enfant avec.
Instead, I will go and see his husband and say, take my sister and then go to bed with her. Et la parole nous dit, and first of all, the word says, Abraham va écouter sa femme. Abraham, we're going to listen to his écouter wife. Écouter ici, c'est obéir. And listening here means obey. Shema Israel. Shema Israel. Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel. That's a big Shema. One. Shema. Écoutez bien. Now listen very well. Dieu prend Ézéchiel. God will take Ezekiel. Il amène dans une vallée d'ossements, n'est-ce pas, remplie d'ossements. He will take him to the valley of the dry bones. Il lui dit, fils de l'homme. Then he say, fils of man. Qu'est-ce que tu en penses? C'est son of man. What do you think about these bones? Peuvent-ils être restaurés? Can they be restored? Il dit, tu le sais. Then he say, you know. Et alors il lui dit, dis-le. First of all, then he say, say it. Shema. Shema. Écoutez. To voyez? Listen. Pour être restauré, to be restored, pour être, n'est-ce pas, pour vivre le réveil, and to go through the revival, il faut écouter. You have to listen. Le Seigneur dit, the Lord said, à chaque fois que celui qui a des oreilles pour entendre entende. Anytime you repeat this, the one who have hear, que let celui him qui hear. A des oreilles pour entendre entende. Those who have hear, let them hear. À 7 reprises, il a parlé comme ça dans Apocalypse chapitre 2. 7 times he repeated the same thing in dans Matthieu 13, Revelation. Il dit, ce peuple a des oreilles mais il n'entend pas. In Matthew 13, he said, these people they have ears but they don't listen. Alors entendre en hébreu c'est quoi? So to hear in Hebrew, what does it mean? Entendre un son, it is to une hear voix, a sound, le comprendre, to understand, et y obéir. And then obey to that sound. Voilà pourquoi Satan va voir Ève, il lui dit, Dieu a sûrement dit. That's why Satan is going to see Eve and say, God has surely que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. That we are going to not eat from elle a the entendu. Of all the trees. She heard. Et parce qu'on entend quelque chose, and because we heard something, we on va vouloir parler. We are going to be able to speak. Donc, le deuxième sens que Satan va utiliser, c'est la langue. So the second sense used by Satan was on the ne tongue. Dialogue pas avec le serpent. We don't dialogue with the serpent. Voyez pourquoi, vous savez pourquoi elle a parlé? You know why she spoke? La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. The Bible says for the abundance of the heart that the mouth speaks. Comme Satan avait réussi à remplir le cœur d'Ève par la parole when fausse, when Satan managed to fill a heart par une fausse the word, information, by the false information, il a fait exprès. Then he did it deliberately. Ève ne pouvait que parler. Ève could not just she could et just le dialogue speak. S'installe. And then that's where come dialogue. La communication s'installe. Communication will come in. Paul dit par l'esprit. Paul say by the spirit. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. I don't want you to be in communion with demons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. You don't partake of the table of the Lord and at the same time the table. Alléluia. Of the demon. Donc, le premier sens que Satan a visé, c'est la vue. So the first sense that Satan went for is Eve sight. Passait devant cet arbre-là. Eve was walking through and Eve voyait cet arbre-là. Eve was seeing that tree. Mais cette fois-ci, but at this time, Satan a voulu que Eve le voie autrement. Satan want Eve to see the tree another way. Satan a attiré l'attention de Eve sur l'arbre. And Satan brought the attention of Eve upon that tree. Satan l'a amené à se focaliser sur cet arbre-là. Satan to make her to be focused on that tree. Et elle a eu le désir, elle a eu un désir dans son cœur. And she had a desire in her heart. Et quand elle a vu, and when she saw, d'abord elle a entendu. First of all, she heard. Ensuite, elle a vu. And then she saw. Le troisième sens que Satan a utilisé. And the first sense that Satan used. Ah, c'est quoi? You see. Le goûter. It is donc, the taste. Elle a entendu. She heard. Ensuite, c'était la langue, elle a parlé. And after that, with the tongue, she spoke. Elle a goûté. And then she tasted it. L'odorat aussi. The taste. Voyez? You see the taste. Ouais, on va goûter. Yes, we taste. Voyez, l'autre sens c'est quoi? Le toucher. So when we touch, yeah. Donc Satan procède de la même manière jusqu'à ce jour. Il n'a pas changé de méthode. From that time up today, Satan is proceeding the same way. Tu entends? You hear? Tu parles? You speak? Tu sens? You smell? Tu goûtes? And then you taste. Tu touches? And then you touch. T'es cuit. And then that t'es dies. Pris dans le piège. And then you are, voilà you le are fonctionnement de Babylone. That is how Babylon functions. Vous avez vu en Égypte? You see in Egypt. Les Hébreux n'étaient pas mélangés avec les Égyptiens. The Hebrews were not mixed up. Ils étaient persécutés. They were persecuted. Et ils craignaient Dieu. But they were fearing God. Vous avez vu quand ils étaient partis, quand ils se sont retrouvés à Babylone?
You know when they find themselves in Babylon? Ils étaient avec les Babyloniens. They were with the Babylonians. Ils entendaient les Babyloniens parler. They were hearing Babylonians speaking. Ils entendaient leur louange. They were hearing their praises. Et ils ont vu des choses. And then they saw things. Vous avez vu? You see? Vous avez vu quand Jean a vu Babylone? You know when John saw Babylon? Dans Apocalypse 17. In Revelation 17. La Bible dit Jean était dans l'admiration. The Bible says John remained in admiration. Jean était étonné, c'est-à-dire il a admiré la chose. He was mesmerized because he admired the thing. Et vous avez vu les Hébreux à Babylone? And you see the Hebrew in Babylon. Ils n'étaient pas persécutés. They were not persecuted. Ils étaient plutôt séduits. They were rather seduced. Vous avez vu? You see? Et là-bas Dieu a suscité des prophètes pour les réveiller. And then God brought some prophets to revive them, to wake them up. Et voilà comment Satan procède jusqu'à nos jours. And until then, till today, that's how Satan des gens qui ont commencé avec l'évangile. And people who started with the gospel. Des gens qui sont véritablement qui ont vécu la nouvelle naissance, la naissance d'en haut. People who truly went through the true birth. Qui ont reçu des promesses de Dieu. Who received the promises of God. Et parce qu'ils ont entendu des choses. Because they heard things. Leur cœur était rempli. Their hearts were filled. Le cœur étant rempli, the heart was filled. Ils vont vouloir parler. They would like to speak. Et Satan se sert de la langue. And Satan is using the tongue. Voyez? Et ensuite, on va toucher, on va goûter, on va sentir, on va. Et là, ben, c'est foutu. We touch, we smell, we taste, and that's it. That's the end. Tous les prophètes dans la Bible qui ont marqué leur temps. All the prophets in the Bible who marked their own time. C'était des hommes et des femmes qui se tenaient devant Dieu, qui écoutaient plus Dieu que les hommes. There were women and men who were standing in front of God, listening to God more than men. Le Seigneur, vous savez, nous sommes des êtres spirituels. You know, we are spiritual. Nous sommes des esprits. We are spiritual. We are spirits. Nous habitons des corps. And we inhabitants live in bodies. Amen. Yes. Nous avons des yeux de l'esprit, des yeux spirituels. We have spiritual eyes. Avec ces yeux, nous pouvons, grâce au Seigneur ou par le diable ou par la chair, voir des choses, and des songes, des visions. Through those eyes, through the grace of God, and even through the devil, nous avons une bouche spirituelle. We have also a spiritual mouth. Des oreilles spirituelles. We also have spiritual ears. Quand Jésus dit when Jesus said, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, il parle de ceux et celles qui ont les oreilles de Dieu, les oreilles spirituelles, when Christ le discernement. Said, when Christ said, those who have ears and those who have ears, let them hear. He's talking about the discernment here. Et Satan procède comme ça même dans le monde. And even Satan proceeds the same way, even in the world. Dès la maternelle. Since on entend des choses. The kingdom garden, we hear things qui nous formatent. Shaping us. On entend des choses sur les Arabes, on entend des choses sur les Blancs, on entend des choses sur les Noirs, sur les Indiens. We hear things about Indians, about Black, about white people. Et nous avons des prophètes modernes, c'est-à-dire la plupart de nos journalistes, qui sont censés donner souvent de la désinformation. Vous voyez, c'est en boucle, c'est de la comme des mantras, de la manipulation, c'est du bourrage de crâne et beaucoup ne comprennent même pas et c'est comme ça à Babylone. And we have our modern prophets talking about journalism and all these. They are the one giving us all this information and that's how Satan is proceeding. Et nous avons une population mondiale qui est envoûtée à cause de la mauvaise information, à cause de la désinformation. And we have all the world population that have been bewitched because of false information. Vous voyez, on sollicite les mêmes choses, les mêmes sens. And you see, it's the same thing. Et une fois, maternelle, primaire, tout ça là, et collège, lycée, les grandes écoles. It is the same procedure throughout the schools, from the kingdom garden. On entend, on magazine. To the university, you just hear and hear and like. Savez-vous que nous sommes comme les éponges? You know that we are like sponge. Voilà. You know, we just take and take. On avale, on avale, on avale, et puis après on va. Swallow, and then vomir. We just try to vomit it. Voilà. La Bible dit, on ne donne que ce que l'on a. Dieu dit cela. We can also give what we have. Ce que tu as reçu depuis la maternelle, c'est ce que tu donnes aujourd'hui. What you have received since the kindergarten, that's what you are giving. Nous sommes les conséquences de l'éducation qu'on a reçue. We have the consequence of the education that we have received. Nous sommes les résultats du formatage qu'on a subi. We have the result of the shaping that we went through. Voilà le monde. This is the world. Voyez. You see, c'est comme ça. That is how et une fois que tu es bien rempli, bourré, et à la fin, on te sanctionne avec un papier.
You have to be well filled. Diplôme. And at the hands, you have your diploma, your degree. Et on mesure ta valeur à un bout de papier. Vous voyez, c'est, voilà le monde. And then they will measure you. They will measure your value with a piece of paper. On ne devient pas intelligent parce qu'on va à l'école. You do not become intelligent because you are going to school. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'école. I'm not saying don't go to school. L'intelligence est innée. Dieu a donné l'intelligence aux hommes qu'il a créé. It comes from God. It's God who gave it. Les oiseaux, ils ont appris comment construire les nids. Comment ils ont appris comment construire un nid? Ils ont appris ça dans quelle école? How did the bird learn how to make their own nest? Did they went to school? Les fourmis, qui leur a appris à s'organiser comme ça, à aller à marcher comme une véritable armée pour aller s'approvisionner? Qui? Even the ants, how did they got trained to, you know, organize their own army? Elles ont quel diplôme? Quel bac plus 40? What kind of degree or I don't know diploma they have? Les sauterelles qui sortent en bande, qui leur a appris cela? All the other animals that are coming in band, walking together. Who? How did they learn? Qui a appris aux animaux à se réfugier lorsqu'il y a un danger qui menace? Who taught the animal? Tel un tsunami, tout ça, ils sont prévenus à l'avance. Qui? Who taught the animal to take a refuge as soon as they hear or they see a danger coming? Qui a appris aux oiseaux à émigrer en Afrique quand il fait froid ici et à revenir quand il fait meilleur? Qui? Who taught the bird to go in Africa when it's so cold here? Vous avez vu? You see? L'homme créé à l'image de Dieu, man has been created the image of God, n'a pas compris qu'il est le résultat d'un formatage babylonien. He never understood that it was the result of the shaping of Babylonian shaping. Vous savez quoi? You know what? Un philosophe a dit, one philosopher said, une vérité doit être d'abord rejetée. A truth shall be first of all rejected. Deuxièmement, elle doit être combattue. And secondly, it has to be fought. Ensuite, elle devient une évidence. And then it will become a fact. Et c'est ce que le monde, c'est comme ça que Babylone fonctionne. And that's how Babylon functions. Quelque chose qu'on veut nous imposer, on nous la diffuse comme ça, ça nous choque. Something that they want to impose to you, they will just say une manière de vivre. And then you will be shocked. And then that's the way to live. Une loi. It's become a law. C'est dans le monde comme ça, c'est comme ça. In the world, on va rejeter d'emblée. That's how it functions. Ensuite, on va l'attaquer, on va la combattre. And then they will attack you and manifestation fight. À gauche à droite, tout ça critique. You will be manipulated left et ensuite, right. On dit c'est normal, c'est comme ça. And then they say, this is normal. Ça that's devient une habitude et les habitudes ont la peau dure et ça devient une tradition, une coutume. That become an habit. It become later on a tradition. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh Seigneur. Oh Lord. C'est terrible. It is terrible. Babylone. Babylon. Je voudrais dire, c'est donner des conseils aux frères et sœurs. I want to advise brethren here. Nous aider. To help us. Il y a une manière de procéder, une manière de faire. There's a way to proceed, a way to do things. Qui peut amener des dégâts dans nos vies, dans la vie des uns des autres. That can bring disaster in our life, in the life of others. Je prends un exemple. Let me take just an example. En fait, le message de ce matin, the message of this morning, c'est mon peuple, sortez du milieu d'elle. Is my people come out of her? Sortons. Let come out. Sortons. Let come out. Dieu l'a dit dans Ésaïe. God said it in the book of Isaiah. Dieu a pris le père de la foi, il lui a dit sors. He took the father of faith, he said come out. Il a dit à l'autre sors. He said to Lord, come out. Il a dit de Genèse à Apocalypse à tout le monde, à tous ses enfants, sortez. From Genesis to Revelation, he said to all his children, come out. Et la sortie ici là. In coming out here. Est toujours au présent. Is always in present, constant. Je veux nous dire quelque chose. I want to tell you something. Vous savez qu'en hébreu biblique. You know, in a biblical Hebrew. Il y a pas de passé ni présent ni futur. There is no past, there's no present, there's no future. Il y a une forme de passé, futur et présent, mais c'est pas vraiment ça. There is a type of past, present, but it's not really what I mean. Il y a une forme, il y a comme deux temps. C'est ce qu'on appelle l'accompli et l'inaccompli. There's two times. There is what is accomplished and the one that has not been accomplished. Et l'inaccompli. And the one which is not. Nous parle particulièrement du futur. And speak about here the future. Vous savez que le futur, selon Dieu, on y entre à reculons et non par devant. You know the future, according to God, we are getting into the future by coming back, by sliding back, not by going forward. Parce qu'on ne le voit pas. Because we don't see. Donc le futur est derrière nous. So it's like the future. C'est le is now a back. Passé qui est devant. It is the past that is in front of us. Parce que le passé, nous savons ce qui s'est passé hier, on a su, on le sait.
Donc, c'est devant nous. Because our pass happened yesterday, it's like it's et in comme front of on us. Y entre à reculons, and because we are getting in by sliding back, going back, on ne peut pas sortir de Babylone sans l'aide du Saint-Esprit. We cannot come out of Babylon without the help of the Holy Spirit. Voilà pourquoi. That is why. Le Seigneur a dit que l'Esprit viendra pour nous conduire dans toute la vérité. The Lord said that the Spirit will come and lead us in every truth. Voyez? You see? Et il faut sortir. And we have to come out. Alors, beaucoup maintenant, comme ils ne voient pas le futur, ils se disent, Seigneur, je ne veux pas sortir parce que je ne sais pas où aller, je ne le connais pas. Mais oui, c'est normal que tu ne saches pas où tu dois y aller. Parce que c'est derrière toi. It is not, because the future is c'est à reculons. Back. Because we are sliding donc back. Il faut sortir. Then we have to come out. Tout en te laissant guider par le Seigneur. By being led by the Lord. Oh frère, brethren, sortir, coming out, ce n'est pas bon. Écoute, j'ai quitté une église locale, maintenant c'est bon, je suis à la maison, tout va bien. It's not that I just left a local church. I'm at home. No. Everything is okay. No. Tu penses que Satan est resté dans ton église locale là? Do you think that Satan is in a local church? Détrompe-toi. Just be careful. Tu sors avec ton corps. You're coming out with your body. Mais ton corps est toujours avec toi. But your body still with you. Tes sens sont toujours avec toi. Your senses remain with you. Donc être réformé, ce n'est pas forcément sortir d'un lieu physiquement. So to go through the reform is ça, c'est juste un aspect. From a place. C'est sortir par rapport à ma vue, par rapport à ce que je vois. C'est tous les jours sortir par rapport à ce que j'entends, tous les jours par rapport à ce que je peux dire, tous les jours par rapport à ce que je peux toucher, tous les jours ce que je ressens, ce que je sens. Coming out is every day according to what I see, what I hear, what I smell, what I touch. It is every day. Oui, il faut sortir des lieux où Christ n'est pas glorifié. Yes, we have to come out of places where Christ is not revealed. Mais ça, c'est juste un petit pas. But that is just a little step. Parce que quand Satan a eu Ève, Ève n'était pas membre d'une église locale. Because when Satan managed to make Eve fall, she was not part of a local church. Je vois des frères et sœurs. I can see sisters and brothers. Des chrétiens. Christians. Qui vont en mission. Who are going to mission. Ils vont dire aux frères et sœurs. And then they will tell the brother and sister. Là où ils vont là. Where they are going. Eh ben nous allons être chez vous. We are going to be in your home. Nous allons dormir chez vous. We are going to stay in your home. Non, un missionnaire ne demande pas à être logé. No, a person who going to in mission. Ça, c'est Babylone. To have a place. This is c'est de la manipulation. This is manipulation. C'est utiliser la mission, utiliser la Bible pour se faire loger. It is just to use the Bible to get a place where to stay. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de dégâts parmi les frères et sœurs. Beaucoup de dégâts dans des gens qui vont dans tout le sens. Ils font des dégâts comme pas possible. We can, you know, notice many disasters happening, you know, with brethren here and there. Seigneur. Lord. La chair, the flesh, les désirs charnels, the fleshly, you know, desire, un zèle amer, it is the bitter zeal. On est parti à mission quelque part. We went somewhere in mission. Je regardais le comportement des frères et sœurs. And I look at the way the brothers and sisters are behaving. Des gens se plaignaient, des frères qui nous ont reçus se plaignaient en se disant, mais il y en a qui veulent manger midi, matin, midi, soir et qui ne veulent pas manger tous les jours le même aliment et qui désirent, n'est-ce pas, une diversité, hein, n'est-ce pas, gastronomique, tout ça. Et frère, je me suis rendu compte que même ceux qui se disent être dans, avec le Seigneur, là, qui parlent de la réforme des cœurs, nous avons non seulement beaucoup d'idolâtres, nous avons des impies, nous avons des méchants, nous avons des escrocs, des gens pires que ce que l'on peut trouver dans certaines assemblées.
I went somewhere with some brethren, and I realized that some of the brothers were complaining about some other missionary people that they don't want to eat the same meat every day, the same meal every day. They have to eat a variety of meat. They have to change everything every day. And then that's how we have some wicked people in our midst. Nous sommes allés au Cameroun en mission. Je parle de Babylone, hein? Faut sortir. I'm talking about Babylon here. Remember, we have to come out. We went in mission in Cameroon. Le frère qui avait son véhicule qui nous conduisait. The brother was driving us. Il gagne bien sa vie. He's getting well his life. On prenait de l'argent, on le donnait pour mettre de l'essence. Il disait non. Okay. Je ne veux pas utiliser ma position, mon appel, l'appel que Dieu a mis sur ma vie pour me faire entretenir par vous. I don't want to use the call of the Lord in my life to, you know. Ce n'est pas l'amour. This is not the love. On a participé. So we know we were partaking. Vous savez comment on mangeait? You know, tous les jours. How were we à midi, eating every day? On allait à la rue là, dans le coin de rue, acheter des bananes braisées, des cacahuètes. Yeah, we go and buy tous les jours. As lunch, we go in every corner and buy our plantain. Une ou deux bananes braisées, plantain, tout ça là, tous les jours. Ils disaient, mais nous, on veut faire non. Buy our own plantain. No. They want to, oh no, we made some good meal for you. We're saying no, it's okay. Vous allez à mission? You going in mission? Vous dites non, nous collaborons avec le frère Chora, comme you si je suis devenu Dieu, comme si je suis devenu une, n'est-ce pas, une empreinte, une pour donner une légitimité à la cupidité des gens, à l'hypocrisie des gens, à des gens qui veulent se prévaloir, qui veulent dominer sur des gens, et on veut manger bien comme il faut, copieux, on veut être logé dans des hôtels grandes étoiles, plusieurs étoiles, mais quelle confusion! We are going in mission. You want to use my name to be comfortable there? What a confusion! Alléluia. L'heure est grave. Hein? Times are terrible. Vous avez vu le monde que Dieu touche dans le monde entier là? You see all the people that the Lord is touching throughout the world. Et il y en a, ils veulent récupérer les miettes pour se faire quelque... Non, mais il y a des dégâts terribles. Some of them want to just take terrible. The crown, and then here we go. Terrible. Disasters. Terrible disasters. Dieu pleure. God is weeping. Ah non, mais je travaille avec mon frère Bolé. Oh no, me, I work with brother Bolé. Ah, je suis avec le frère Intel. Me, I am with so and so. Oh, brother. Je suis avec le frère Olivier, avec Marc, avec Sylvain. On est avec la sœur Intel. We are with Marc, with Sylvain, with so and so brother. Oh Dieu. Oh God. La confusion. Confusion. Un message que Dieu a donné pour libérer les gens. A message given by God to set people free. Des gens viennent, amen, amen, gloire à Dieu, on accepte ce message. They are coming, amen, amen, we are accepting this message. On entend ces pasteurs divorcés. And then we can hear that pastors. Et ils veulent diriger les églises. Are divorcing, and at the same time they will still want to lead their churches. Mais il y a un problème là. There's a problem here. Il y a un problème là. There's a problem here. Confusion. Confusion. Vous n'avez pas vu qu'au niveau du temps, au niveau du climat, il y a la confusion là maintenant. We'll de plus en plus. Regardez bien. Concerning the weather. Confusion. Confusion there as well. Look at them. Au niveau de la famille, il y a la confusion. And the family level, confusion. Au niveau alimentaire, confusion. And a level of food, confusion. Au niveau des églises, n'en parlons même pas. Don't even talk about churches. L'écuménisme. L'écuménisme. Le syncrétisme. The syncretism. Confusion. Confusion. Au niveau de la mission, il y a confusion. Even the level of mission, confusion there as well. Si tu n'as pas l'argent pour partir en mission, si Dieu ne te donne pas les moyens, ne pars pas. If you don't have means, money to go in mission, do not go. Un missionnaire ne va pas concevoir sa pensée, concevoir sa mission tout en allant voir des frères et sœurs pour dire donnez-moi l'argent, soutenez-moi pour la mission. Obliger les frères et sœurs à donner l'argent pour sa mission. Non. A missionary man is not going to conceive his own thought by
going and see. C'est ta vision. It is your vision. C'est ta pensée. It is your thought. Tu peux la partager aux frères et sœurs. You can share it with brethren. Mais yes. Ne les oblige pas à le faire, à faire ce que tu as reçu. But do not force them to do what you have received. Ce que je dis là, c'est ce que nous vivons ici et là. What I'm saying here, that is what we live here. Des frères viennent nous voir et nous disent combien ils se sont endettés pour soutenir tel missionnaire parce qu'ils ont subi une pression. Brothers are coming to see us to tell us how much that debt they took to go in mission. Des gens qui sont libérés par le Seigneur, qui sont libérés des griffes des pasteurs et qui suivent les enseignements et ils viennent ici et là pour suivre les enseignements. On les dépouille. On va de maison en maison. On va prendre l'argent des frères. On va proposer. Oh Seigneur, quelle confusion. People who have been set free for the domination of pastors, but then they say, you know. Alléluia. By all these pastors. Vous êtes fatigué? Confusion. Are you tired? Regardez. Non. Après ces choses, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut illuminée de sa gloire. Il cria avec force à une haute voix et il dit, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue la demeure de démons et le repère de tout esprit impur et le repère de tout oiseau impur et détestable. Car toutes les nations ont bu du vin de sa prostitution ou encore de sa relation illicite, relation sexuelle illicite, n'est-ce pas? Donc prostitution effrénée. Et les rois de la terre ont commis la fornication avec elle et les marchands de la terre se sont enrichis par l'excès de son luxe. Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait « Sortez de Babylone, mon peuple. » Pourquoi ? Afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez pas de part à ces fléaux. Sortez de là, mon peuple. Come out of there, my people. Jean a vu cet ange. And John saw this angel. Descendre du ciel, il a entendu une autre voix du ciel. Coming down and he heard a voice from heaven. Et c'est ce que j'ai entendu il y a 19 ans à peu près. That is the same voice I heard 19 years. Quand je dormais. More or less, when I was asleep. Dieu m'a donné ce passage. God gave me this passage. Wow, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Then I said, Lord, what you mean here? Sortez! Come out! C'est un ordre. C'est-à-dire, je continue de sortir tout le temps. Je sors. It is an order. I'm continuously coming out. Pourquoi? Why? Parce que nous tendons vers la perfection. Because we are going to our perfection. Vous avez vu l'image de la religion de Babylone? C'est un lac, The image of religion of Babylon is a lake. Oui. Et l'image de l'église, c'est un fleuve, une rivière, ça coule, voyez? And the image of donc, the church is a on river. Doit continuer à couler, à sortir, continuer à le faire. We have to carry on running, carry on coming out. Et si out. On s'arrête, if you stop, l'huile s'arrête. It will stop. S'il n'y a plus de vase, il n'y a plus d'huile. If there's no more a pot, a vase, there's no more oil. Voyez ce fleuve qui sort du temple là, ben il faut continuer à sortir. You know, as the river is coming out, you have to come out as well. Ne te contente pas de l'illumination d'hier ou d'aujourd'hui. Dieu veut aller encore plus loin avec toi. Do not be content of the illumination yesterday. God wants to be de even gloire further. En gloire. God wants to go from glory. Alléluia. To glory. Amen. Voyez le fonctionnement de Babylone, on veut que les hommes toujours, que les hommes nous touchent, que les hommes nous touchent. Que... Non, moi je suis sorti de l'église locale, mais j'ai besoin absolument d'un homme. Non, tu n'as pas besoin d'un homme, ni de moi, ni de qui que ce soit. Tu as besoin de te retrouver en relation avec la racine des racines, avec la fondation de fondations. Coming out of bond, you have to be in touch with the root of the roots. Alléluia. Amen. Non, quittons cette mentalité-là. No, let come out of this mentality. Nous sommes des frères, nous sommes vos frères. We are your brethren. C'est tout. That's all. Des voix qui crient. We are voices screaming. Vous avez vu? Crying out. Quand Jean parle ici d'une voix. When John is talking about here about a voice. Voyez, et ça c'est magnifique. C'est la même voix que l'on entend dans Ésaïe 40 là-bas. Une voix crie. In Isaiah 40, a voice is crying out. Et c'est le même mot, dans Matthieu là-bas quand on dit quand Jean dit, je ne suis qu'une voix qui crie. It is the same voice that we hear in the book of Matthew when they say that the voice that's. Vous avez vu les disciples out. De Jean chercher à tout prix à s'attacher à Jean? You see all the disciples, they want to cling to John? No. Jean n'était qu'une voix. John was just a voice. Nous ne sommes que des voix. We are just voices.
Voyez, on dit à minuit on cria. You see, in midnight, during the night, someone tu n'es qu'une voix. Je ne suis qu'une voix. I'm just a voice. You too, you are just a voice. Voyez, et la voix crie, la voix and crie. The voice just blowing the trumpet. Pourquoi? Parce qu'il faut sortir, il faut entendre la voix. Because you have to come out, you have to hear et the voice. Et une fois que tu as entendu la voix, and you have to hear the voice. Ce n'est pas, il ne faudrait pas s'attacher à la voix. Do not be cling on to the voice. La voix te parle de l'époux. The voice is speaking about your husband. Babylone est remplie d'idoles, remplie de démons. Babylone is filled with idolatry. Babylone est un repère d'idolâtres. Filled with idolaters. Les hommes quittent les idoles pour d'autres idoles. Men are leaving idol one in one place to go and meet other idols. Ils changent les idoles comme des chemises. They're having idols like their own shirts. Si nous sortons, c'est pour aller vers le royaume céleste. When we come out, we are going towards the celestial. C'est cela le message qu'il faut que les gens entendent. That is the message that we have to share. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. My sheep hear my voice. C'est le même mot grec ici. It is the same Greek word here. C'est un cri. It is a voice screaming. Mes brebis entendent ma voix. My sheep hear my voice. Donc les vrais enfants de Dieu, the true children of même God, s'ils ne côtoient pas les prédicateurs, les autres chrétiens physiquement, even though not go physically, mais ils ont entendu et reconnu la voix de Dieu. They hear and recognize the voice of God. Alléluia. Amen. Et cette voix de Dieu leur dit quoi? And this voice of qu'est-ce God que ce message them, dit? What that the message is communicating? Soyons là physiquement entre nous pour nous plaire les uns les autres. Non. Just remain there to please each other. No. Le message dit. The message. Il est minuit. It is midnight. C'est la confusion. It is the confusion time. Beaucoup ne voient plus rien. One, people can't see anymore. Voici l'époux. Yeah, he is. Voici l'époux. Yeah, he is. Pourquoi? Why? Mais parce que nous sommes fiancés à quelqu'un. Because we have been wedded to someone. Nous attendons un grand événement, c'est-à-dire les we noces. Waiting for a big event. That Alléluia. Is the wedding. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Dans cette confusion de Babylone, in this Babylon confusion, Dieu est descendu. God came down. Dieu a façonné une femme. And God prepared a woman. Dieu a façonné un être. God prepared a being. Et Dieu l'a laissé sur terre. And God left him on earth. Pourquoi? Parce qu'il est en train de le façonner. Why? Because he's shaping him. À chaque fois que cet être s'endormait, Dieu le réveillait. Anytime that human being will sleep, God will wake him up. Et il y a une voix qui retentit. And there is a voice et that's quite toi out. Et moi, nous étions dans cette confusion-là. You and I, we were dwelling in et that nous confusion. Avions, nous avions et nous continuons à entendre la voix du maître. We heard the voice of the master. We carry on listening to the voice of the master. Ceux qui ne sont pas de Dieu. Those who are not from God. Ceux qui ne sont pas de Dieu. Those who are not from God. Ne vont pas entendre cette voix-là. They're not going to hear that voice. Ils vont entendre un son. They will hear a mais ils sound, ne vont pas le saisir. But they're not going to seize ils ne pourront pas obéir à la parole du and Seigneur. They won't be able to obey to the word of dans God. Ton péché. In your sin, dans mon péché, in my sin, Dieu est venu nous voir. God came to visit et us. Nous avons entendu sa parole. And we hear his word. Nous avons quitté nos amis parfois. And we even left our friends nous sometimes. Avons abandonné le passé. We are abandoned the past. Nous sommes dans le présent. We are in the present. Et Dieu dit maintenant, allez dans le futur. And God said now, go towards the future. Allez encore plus loin. Go even further. Et le message arrive. And the message is coming. Je te dis aujourd'hui, that, I'm telling you today, nous ne sommes pas des consommateurs. Le consommateur de vidéos. We are not those who are there to consume mais nous devons videos. Être des êtres passionnés de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Men and women passionate by our Lord. Des amoureux du Seigneur. Those who are in love Alléluia. With the Lord. Amen. Tu peux bien me connaître. You can well tu know peux me. Bien connaître quelqu'un, Sylvain, je ne sais pas qui. You can know someone mais here si very tu well. N'as pas de relation avec le maître des maîtres, if you don't have the tu ne pourras the master, pas être sauvé. You won't be saved. Ce jour-là, je dirai, Seigneur, moi, c'est mon salut aussi qui m'importe. I'm telling you that the Lord, Alléluia. This is my salvation. Tu peux connaître Bolé. You can know brother Bolé. Mais frère, connaître Jésus, c'est mieux. My brother, know je Jesus veux que is tu better. Aies une relation particulière, spéciale. Particulièrement, particulière avec Jésus de Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ne nous cherchez pas. Don't look, don't seek nous us. Nous sommes faibles. We are weak. Nous avons des défauts. We have also our mistakes. Nous allons au petit coin comme vous. We go to the toilet nous like you. Nous transpirons comme vous. And we breathe nous like nous you. Nous débarrassons de la souillure physique comme vous.
We are all getting out of all nous our pouvons aussi rendre like comme vous. We can also vomit like nous you. Ronflons comme vous. We can also snore like nous you. Pleurons comme vous. We cry like you. Mais je vous présente un homme. I'm presenting you a je man. Vous présente un homme. Let me present you a man. Je vous présente un homme. I'm presenting you a man. Je vous présente un homme. I'm presenting you a man. Son nom c'est G. His name is G. G. E. G. G. A. E. S. S. U. U. S. Jesus. 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 Dans Jean chapitre 1. In John chapter 1. Il est la parole qui est au commencement. It is the word at the beginning. Dans Jean 2. In John 2, il a changé l'eau en vin. He changed the water dans into Jean wine. 3, in John 3, il a confondu Nicodème. He confused Nicodemus. Dans Jean 4, in John 4, frères et sœurs, brethren, il a rencontré la Samaritaine. He met the Samaritan woman. Dans Jean 5, in John 5, il a guéri cet homme malade depuis 38 ans. He healed this man who was sick dans for 38 years. In John 6, il a nourri les malades, les pauvres. He feed the poor dans people. Jean 7, in John 7, il a dit que des eaux vives couleront du sein de ceux qui croiraient en lui. He said that water will just come out of the belly of those dans who are Jean 8, to believe. In John 8, il est la vérité qui a franchi. He is the truth that set free. Dans Jean 9, in John 9, il a guéri cet homme aveugle de naissance. He healed that man who was blind for the dans beginning. Dans Jean 10, in John 10, il est Yahweh notre berger. He is Yahweh our God. Le bon berger. He is our protector. Dans Jean 11, in John 11, il est la résurrection. He is the resurrection of the dead. Il est la vie. His life. Dans Jean 12. In John 12. Il a mangé avec Lazare. He ate with Lazarus. Il veut manger avec toi. He want to eat with you. Il a lavé les pieds des apôtres dans Jean 13. He told the apostles in John 13. Dans Jean 14. In John 14. Que votre cœur ne se trouble pas. Don't be worried. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi, disait-il. You believe in God, believe in me also. Dans Jean 15. In John 15. Il est le vrai cep. He is the true cep. Dans Jean 16. In John 16. Il nous promet de revenir sous la forme de l'esprit. He promised to come back in the form of spirit. Dans Jean 17. In John 17. Il est le meilleur grand prêtre. He is a great priest. Le prêtre des prêtres. He is the priest of the priests. Dans Jean 17. In John 17. Devant Pilate. He want to see Pilate. Il reçoit une question. He receive a question. Il lui pose la question. He ask him, qu'est-ce que la vérité? What is the truth? Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Then he said, my kingdom is not from this mon earth. Mon royaume n'est pas de ce monde. My kingdom is not from this earth. Il a un royaume. He has a kingdom. Dans Jean 19. In John 19. Il est allé sur la croix. It is on the cross. Alors que Satan attendait ma mort, ta mort. Satan wants you to die. Il attendait que Dieu nous maudisse. He wanted God to curse us. Jésus a dit. Jesus said. Tout est everything is accomplished. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Jésus. Jesus. Vous avez vu sa démarche? You see how he works? Vous avez vu sa robe? You see his toes? Vous avez vu ses yeux? You see his eyes? Vous avez vu ses cheveux? You see his hair? Vous avez vu sa ceinture? You see his belt? Vous avez vu comment il parle? You see how he speaks? Non, nous sommes à rien. Non. Je l'ai vu ce Jésus-là. We are full. Dans ma chambre plusieurs I've fois. Seen that Jesus in my, in my bedroom je l'ai times. Vu comme je vous vois là. I saw like I'm seeing il existe. He's allez vers lui. Alive. Allez go. Vers lui. Go cherchez-le. Seek him. Frère, brethren, j'ai aucun ministère à te donner. There is no minister I can ask ne cherche pas à collaborer avec moi. Don't seek anything with collabore me. Avec le Saint-Esprit. You have to see it with the Holy Spirit. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus. 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 Jésus. Jesus. Lui seul peut renverser Babylone. Only you, only him can take Babylon the glory. A peur d'un seul royaume. Babylon is afraid of one le kingdom. Royaume messianique. The messianic and the messianic royaume kingdom vient. That is coming back. Il sera établi pendant 1000 ans sur terre. It's going to be established for 1000 ans de bonheur. Thousand years of goodness. Savez-vous que Jésus aime les fêtes? You know Jesus Christ like feasts. On va fêter pendant l'éternité. Oh, we are going to have feasts. Il avait établi 7 fêtes en Israël. He established 7 feasts in Israel. On va manger des pommes. We are going to eat la banane céleste. We are going to eat celestial. Des avocats feasts. Célestes. We are going to have all these celestial. On va être sur le dos du dauphin. On va faire, mes amis, du dauphin. We are going to. Aïe 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 aïe. We are going to have the feasts. Savez-vous que nous avons des chevaux là-haut?
Do you know that we have horses up there? Sais-tu que tu as un cheval blanc qui t'attend là-haut? Do you know that you have your horse ready up there? On va faire de l'équitation. You are going to run horses. Alléluia! 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 Holy God, you are holy. Ça va être glorieux. That will be glorious. Ça va être glorieux. It will be glorious. Sors du péché. Come out of sin. Ne baisse plus les bras à cause des combats. Don't sin anymore. Babylon. Babylon est sous nos pieds. Is under your feet. Babylon. Babylon sous nos pieds. Under your feet. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un. I want to tell someone here. Tu n'as pas besoin de chanter pour gagner les âmes. You don't need to sing to gain souls. Oui, il faut chanter. Yes, we have to sing. Prêcher. Preach. Quand on prêche. When we preach, si les âmes sont touchées, if souls are touched, c'est parce que Dieu les touche. Because God is touching them. T'as beau prêcher, you can preach. S'il n'y a pas Dieu, if there's no God, il n'y aura aucune conversion. There's nothing to give. Il n'y a pas de méthode. There's no methods. Non, mais vous savez, il faut faire cette, tel style de musique pour toucher no, la jeunesse. Non, to play those kind of ça, c'est Babylon. To touch. This is Babylon. Non, 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 non. Now, oh, la jeunesse aime ça. Oh, the youth, they like alors, this. On va les toucher. On va... Non, frère, t'as vu ça où? We have to touch. Where are you coming from? Where have you seen quand that? Jésus touche quelqu'un, when Jesus Christ touched somebody, la personne, the person, qu'elle soit un bébé, whatever is a baby, qu'elle ait 3 ans, whatever you have 3 qu'elle years, ait 90 ans, or even 19, elle sera amoureuse du Seigneur. The person will be in love of c'est God. L'esprit qui convainc du péché. It is the spirit that convinces ce of n'est sin. Pas ta musique. It is not your music. Ce n'est pas ma musique. It is not my music. Frères, sortons de ces choses. Brethren, come out of those. Ne prenez pas la place de Dieu. Don't, the place of God. Dieu n'a pas besoin de notre aide. God doesn't need your help. On ne peut pas aider Dieu. We cannot help God. Alléluia. Prêchons l'évangile. Let us preach the gospel. Avec l'esprit de Dieu. Avec the spirit of God. Dieu va toucher les cœurs. God is going to touch the hearts. Il y en a qui disent par la danse on va toucher la jeunesse. Some are saying with dancing we are going to touch the youth. Frères, brethren, vous savez pourquoi Dieu pleure? You know why pourquoi God Dieu a mal dans son cœur? God is in spirit in his mal heart. Au cœur. In our hearts. Parce que on a mis des méthodes. Because we put some methods all around. Pour gagner les gens. To gain people, on va faire telle chose. We're going to do this and that. Nah. No. Nah. No. Nah. No. John Wesley. Un homme de Dieu. A man of God. Il passe devant une usine. And we just go through. Les ouvriers travaillent à l'intérieur. Those people are working in that place. Plus de 300. More than 300. Ils ne le voyaient pas passer derrière. They didn't dehors. Even see him walking out. Tous à l'intérieur. All of them, they were inside. Ils sont retrouvés au sol. Some found themselves on the floor. Convaincus du péché. They were convinced of the sin. Voyez? You see? Il n'a même pas prêché. He didn't even preach. La présence de Dieu. The presence voilà of notre God. Secret. This is now a secret. Moïse dit. Moses said. Ne m'envoie pas seul. Don't go que ta alone. Face vienne avec moi. May your face come with me. Tu veux affronter Babylone? Do you want to confront Babylon? Il te faut la présence de Dieu. You need the presence of tu God. Veux contrôler tes pensées, tes oreilles, ta vue, tes yeux, sight, ta langue. Your tongue. Il faut la présence de you Dieu. Need the presence of God. Sans le secours de Jésus, without the help on n'est rien. We are not body. Pourquoi êtes-vous venus nombreux ici? Why you come here so plenty? Oui, Satan vient des idolâtres. Yes. On ne va pas le nier. Mais nous dénonçons ces choses-là. Mais ceux qui viennent parce qu'ils aiment le Seigneur, ils sont là pourquoi? Pourquoi ils sont là? Parce qu'ils se disent because Dieu est là. They are saying that God is present here. Donc on n'a aucune raison d'être comme ça. So there's no need s'il n'était pas là, if he's not here, there's nothing. Il lui a plu de se servir de nous, please, de toi. Please him to, qui sommes-nous? To use as rien. Qu'avons-nous fait? Nobody. Rien. What can we do? Par rapport à de John Wesley, de Charles Finet, qu'avons-nous fait pour le Seigneur? Par rapport à de Paul? Rien. To Paul, to John Wesley, rien. And all these, nothing rien. We can do. Nothing. Rien. Nothing. Rien. Nothing. Rien. Nothing. Frères, sœurs. Brethren, à Jésus toute la gloire. To Jesus all the glory. À Jésus toute la gloire. To Jesus all the glory. À Jésus seul. To Jesus alone. Je veux qu'on l'acclame. Let us clap. Je veux qu'on l'acclame. Let's clap. Qu'on l'acclame. Don't clap. Qu'on l'acclame. Jésus, ton amour. Tous ensemble, frère. Donnons gloire à Jésus, à notre Seigneur. Jésus reçoit la gloire. Oh, ton amour, doudou. Ton amour. Ton amour. Oh, ta puissance. Ah, ta
je veux t'adorer. Adorons-le. De tout mon cœur. Et je veux t'adorer. De toute mon âme. Et je veux t'adorer. De toute ma force. Nous enlevons nos couronnes.
nous sommes faibles. S'il te plaît, Père, prends cette gloire. Prends nos vies. Accepte-les comme des parfums agréables. Père, toutes les acclamations qu'on a reçues hier, aujourd'hui, on n'en veut pas. C'est toi qui fais-le. C'est toi qui fais-le. C'est toi. Hommes et ces femmes, for all these men and women que ton esprit a attiré, that the spirit has attracted. Si ces hommes et ces femmes, nos frères et sœurs, viennent, women and men, those brethren come, à ce programme, c'est parce que tu es là. At this event, because you are here. Ne nous laisse pas sortir de toi, de ta présence. Don't let us come out of here without being changed, being touched. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Il y en a qui ont dépensé leur argent pour venir. Some spend their money coming here. Il y en a qui ont pris des risques. Some took risks. Parce qu'ils ont soif. Because they are thirsty. Nous avons soif. We are thirsty. Merci pour la France. Thank you for the for France. Merci pour cette nation. Thank you for this nation. Souviens-toi, nation. Lord, remember this nation. Merci. Thank you. Merci. Thank you. Amen. Amen. Nous disons vraiment un grand merci au Seigneur et à nos frères et sœurs français. We say thank you to our brother, pour votre amour. Who are French, for your love. Pour notre amour, l'amour que le Seigneur a mis dans nos cœurs. For the Lord that the Lord placed in our hearts. Pour vos prières. For your prayers. Merci à tout le monde. I thank you to everyone. Wow. Ça va, jeune homme? Ça va, mon frère? C'est beau d'être dans cette présence, n'est-ce pas? Oh. Ça va? Vous allez nous manquer, hein? Mais comme on est dans le même royaume, on va prier les uns pour les autres, hein? D'accord? C'est bien, vous êtes sage.
Merci à l'équipe de Niort, de Poitiers pour votre accueil. All the team in Niort for your welcoming. Vous savez, quand on est combattu comme nous le sommes à cause de la vérité, nous avons besoin aussi d'être entourés de frères et sœurs. You know, when people are fighting us because of the truth. Nous sommes beaucoup encouragés quand nous voyons des frères et sœurs se lever et annoncer l'évangile. We are truly encouraged when we see brothers and sisters standing up to preach. Des hommes comme Paul, Pierre, Jacques et Jean avaient besoin d'être entourés des frères et sœurs, prier pour eux. People like Peter, John, they needed other brethren be around them to pray for them. Nous sommes à rien sans le Seigneur, bien sûr, mais nous sommes rien sans vous parce que nous sommes un corps. We are nobody without the Lord, and also, yeah, without you, we are nobody because we are just all together a body. C'est pour cela quand elle était la rencontre, et on en profite pour s'encourager les uns les autres, et on repart fortifié, encouragé. In such events, we encourage one another, and then we're going back. Strengthened and encouraged. Il y a des visages que j'ai pas vus depuis longtemps. Quand je les revois, ça fait plaisir. There are faces I haven't seen for long, but when I see you now, I am delighted. Croyez-moi, parfois si on n'appelle pas, c'est pas parce qu'on ne vous aime pas ou qu'on ne vous aime plus, c'est parce que ce qu'on vit à cause de ce message. If you don't receive any tellement call, difficile. If you don't receive any call from qu'on us, ne dit pas tout. It's not because we don't love you.